Il y a des cœurs lourds qui bouillent comme dans un four devant des images télévisées pleines d'atrocités et de gravité. Il y a un peuple résistant qui lutte courageusement avec spontanéité et sans armes tout en ravalant leurs larmes. Il y a des enfants qui naissent et qu'on entrepose dans des caisses ou des bunkers improvisés et des chars dont on suit l'avancée. Bienvenue en 2022. Une année qu'on vient juste d'acclamer sous tous les cieux, avec l'espoir d'un peu plus de sérénité après deux longues et lourdes années. Il y a toutes ces nouvelles, ces scènes de guerre loin d'être belles, ces tonnes d'espoir si chères que tout à chacun porte en bandoulière. Il y a ces visages graves, toute cette rage et ce mépris qui nous gavent d'un dirigeant dictateur qui nous fait tous peur. Il n'y a pas d'à peu près. Tout est réglé au millimètre près. L'Occident craint pour sa liberté qui est en danger. Chaque jour, nous sommes nombreux à prier en solo, à plusieurs ou juste à deux. Chaque matin, nous accrochons la paix à nos rêves, à chaque rumeur d'une trêve. Il y a eu le coronavirus. Maintenant, il y a des chars, des missiles et des navires russes qui tapent et avancent d'un glaçant pas de danse. Il y a tout plein d'artistes qui se sont mis en piste pour protester et hurler à la paix. Il y a des émissions quotidiennes qui nous enveloppent comme dans une petite laine. Des pièces de théâtre, des films au cinéma nous martèlent que la vie est belle en nous offrant des moments de respiration culturelle. Beaucoup d'entre nous se sentent pourtant mal à l'aise, se reprochant presque de vivre et commenter sans être sur la braise. Il est si rare de voir l'histoire au présent rebasculer dans ce qu'elle a été. Alors plus que jamais, vivons ici et maintenant.